Je vais essayer de me voir dans l'écran. J'ai vu ma chevelure. Qui c'est qui est derrière la cam? Deuxième. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça. On se cache dans les broussailles. Là, j'ai réussi là, t'as vu? Bien joué. 10 sur 3, deuxième, top de fin. Bien clapé, t'as vu? Eh, mais putain, c'est bien. Amourignol. On a un peu d'eau, tu vas pour toi. Ouais, ça c'est mieux, ça va pas bien. Ça c'est bien, Zoé. La première maison en tête de guêpe. 1, 2, 1, 2. Ah ouais, ma grand-mère, très vite là. Sinon, des voitures. Sinon, des voitures. Il va rapprocher encore. Non! Un gelato. Comment c'est fermé? Je fais ça derrière. C'est là où? Voilà, si on voit ça, c'est que tout le monde. Est-ce que t'as compris pourquoi ils sont obligés de faire ça? Ouais, parce qu'on voit dans le reflet de la porte, quand la porte s'ouvre, on voit toute l'équipe et la caméra. Du coup, ils se mettent sur noir et ils ont tout camouflé comme ça. Quand on verra, on verra plus les silhouettes. C'est clair. Je croyais avoir piégé. C'est comme ça qu'on se repose et qu'on se concentre? Quoi? Je répète, je révise mon texte. Mais tu révises quoi? Tu révises quoi? Mais si! Non? Bah si! C'est du football. Alors, bonjour, j'ai une commande au nom de monsieur. Eh, hey, je peux répéter tranquille? C'est du football, je vous vois le gazon vert. Non, ah non. C'est la pause, va. Pas facile la vie de temps. Allez, ouais, moi je vais me prendre une bière. On va pré-éclairer une scène parce que c'est la scène où il part en vélo, Clément. C'était pas mal si on l'avait avec les lampadaires, et les lampadaires c'était il y a 22h30. Du coup, on va tout paraître pour 22h20 pour voir s'il fait assez nuit, on la tourne avec les lampadaires. Ouais, on a un peu de lumière, on fait un battement au cas où, et puis si c'est pas assez nuit, on continue la pose d'œuvre. On est pas ici. On peut s'emmener un petit là avec le pied bien pour refaire un petit lampadaire avec le grand avec la lune, juste un huitième de côté là-bas, la maison, table de jardin. Arthur, go. Prends juste le vélo, je veux juste voir le mouvement. Ok, je suis prêt, moi, Jo. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière de l'entrée? Non, c'est sur ma pièce. Pourquoi t'as mis des lumières un peu partout autour de la maison tout à l'heure à la scène du vélo? Séquence de nuit où Arthur, qui joue Clément, sort. En face de l'église, il y a une. Donc, ils sont tout prêts pour créer la lune. Pour créer l'ambiance de la rue avec les lampadaires, pour créer l'ambiance de la maison. Donc on met des projecteurs un peu chaque été, un peu partout autour de la maison. On a fait ça assez rapidement grâce à l'aide de toute l'équipe. Car le ciel tombait et les lampadaires allaient s'éteindre. Il fallait tourner avant que les lampadaires s'éteignent. Il y a une très grande maison. Juste en face, la porte juste en face, ouais. Chez le voisin. Tu supportes pas la vie? En fait, je pense au sérieux du jeu de la scène. Et merci, petit. On s'est mis dans la merde tout seul. Je Je sonne. La gestuelle, limite, ouvre déjà. On va la refaire. Non, on garde toute l'énergie là. Ferme-la ta gueule. Tu peux être en train de nettoyer. Ouais, il arrive.
on garde le même top. On voit ce que ça donne. Tu peux même enlever ton tablier dans le jeu. Je feins d'ignorer la terrasse d'où tu rêves en vain et pensive sur mon lit. Tu m'excites, je dérive et t'invite. Ah, c'est cool, il est bien. Yes. Là, en fait, on faisait juste. Ouais. Ce qu'on appelle une sorte de mécanique. Donc là, le jeu auquel vous allez assister n'était pas le top du top. Tiens, il était pas ouf, c'est Mirko, c'était excellent. Ouais, non, mais c'est ce que je dis, justement. Ah, justement. Tu prends pas la tête, hein, c'était bien quand même. Je me prends pas la tête, frère. Okay. Tu me touches pas. Il y avait quelque chose, en fait, sur ton peu. Juste ici. Qu'est-ce que tu fais? Et je l'ai enlevé. Et puis, tu m'agresses? Non, je ne t'agresse pas, je t'ai pas touché. C'est où qu'il y a un truc? Et je l'ai enlevé. Les flairs cinéma. Il s'attend quand même pas à ce qu'il y a un mec à 23 ans. Ça me fait juste une lumière à la gueule. Alors, vous le dites. T'es sur TikTok? Non. Et bien. Qu'est-ce qui rentre? Quand je mâche, le casque se lève. Et Gwen, et tout à l'heure, t'es avec nous. Mais qu'est-ce que tu fais sur ton jeu? Moi, je fais ça, là. C'est ça, là? Je tourne une baille, et quand ça tourne la baille, bah ça zoom. Ah, zoom? Comme ça, je fais chier Hugo pendant un plan. T'es là pour faire chier sur ton jeu? Bah, non, juste Hugo. Juste Hugo. T'as déjà fini ma caisse? Non. Je crois que t'as fini ma voiture, quand même. Je vais pas la filmer tout seul. Ah, je vais au travail. Vas-y, de travail. Qui aimerait voir le film au cinéma? Bah moi, bien évidemment. Après, qui dit? Une projection est organisée au Moderne Ciné à Templeuve-en-Pévèle le jeudi 23 mars 2023 à 20h. Deux raisons pour lesquelles il faut venir soutenir le projet. Bah, la première, c'est que les places, elles sont vraiment pas chères. Elles sont elles sont à 2€ les places. Les places sont à 2€. Qu'achète-t-on pour 2€? Amazon. Putain, c'est deux fois plus cher qu'une robe kimono sexy en soie glacée pour femme. Ah ouais, mais bon, là aussi, il fait pas d'effort. Il y a plusieurs coloris. Oh, c'est une dinguerie. Ouais, mais bon, si c'est deux fois plus cher qu'une robe kimono sexy en soie glacée pour femme, il exagère un peu. Hein. Bon, la deuxième raison, c'est que je joue dedans. Pas longtemps, certes. Mais je joue dedans. Bien évidemment, je te laisse le lien de la billetterie en description, avec toutes les informations utiles. Mais le plus important, n'hésite surtout pas à venir dans la salle obscure pour soutenir le projet, le reste, la poussière.